Bonjour la team 2.0 et bienvenue pour un nouvel épisode de ma dernière survie Minecraft. Alors aujourd'hui on commence directement avec une très très bonne nouvelle. Eh bien tout simplement ma farm à villageois fonctionne très très bien. Alors regardez, on a déjà 4 villageois ici, on va leur dropper des carottes. Et normalement ils devraient commencer à faire des bébés. Parce que oui, ma farmière n'était pas fonctionnelle tout simplement parce que j'avais 2 de hauteur pour les villageois. Il faut 3 de hauteur et il faut plusieurs métiers pour ces petits villageois et 8 lits pour commencer tout simplement la reproduction. Allez, regardez ça comme c'est magnifique. Normalement, un petit bébé va apparaître. Ça ferait plaisir, mon ami. Oui, petit bébé, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, mon ami. Bref, c'est pas la seule chose sur laquelle j'ai avancé. J'ai enfin un design pour ma ferme à laine qui est fonctionnel. Alors regardez, ce bouton là est tondu, il mange sa petite herbe. Et ici, eh bien tout simplement, nous avons un coffre qui est rempli de laine noire. Et puis pour le coup, on va refaire exactement le même design pour ces deux petits cocos là. Ouais, vous inquiétez pas, vous allez vous faire tondre aussi. Alors avant de commencer tout simplement notre ferme à moutmout, mes amis, il va falloir que j'aille récupérer un tout petit peu d'arbres parce que j'ai absolument pas de quoi me faire de coffre. Donc c'est une calamité sans nom. Je suis désolé Greta de devoir déforester, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Bien sûr que oui, malade que tu es Eva. Toi aussi tu veux venir dans la ferme à Johnny? Bah bien sûr, allez, viens par là, malade que tu es, va. Allez hop, je t'ouvre la porte, allez, viens ici. Viens, bien sûr, allez. Bien sûr, tu seras tondu comme les autres. Oui. Ou bien tu serviras de viande, on sait pas encore. T'inquiète pas, ça fait pas mal. Enfin, un petit peu quand même. Allez, viens ici, avance. Avance, t'inquiète pas, ça va le faire. T'inquiète, regarde, hop. Saute, voilà, nickel. Bah t'es pas mort, t'as vu? Voilà. Bref, du coup, je vais me faire, eh bien tout simplement, 2 petits coffres. Ici, j'ai placé mon coffre. Ici, on arrive, on place, eh bien tout simplement, un petit hopper. Ici, on arrive, on vient placer un petit rail. Et ici, on vient placer notre petit minecart qu'on n'a pas oublié de crafter comme moi, parce que ça m'a pris du temps à aller le crafter, ce petit imbécile. Bref, alors, ici, c'est l'endroit où notre mouton va se tenir. Donc, l'endroit où le mouton se tient, on vient placer un petit bloc de dirt comme ceci. Ici, on vient creuser un petit trou. Là, on vient placer un petit observer. Voilà, dans ce sens-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ici, on vient mettre un petit dispenser qu'on va venir charger avec quelques petites cisailles. Voilà, normalement, là, on est fonctionnel, mon ami. On est très, très fonctionnel. Voilà, et si jamais vous avez du fer à dépenser en plus, eh bien, ici, vous venez mettre un petit hopper avec un petit coffre qui va remplir de cisailles ici. Mais vu que moi, je ne suis pas riche comme Crésus au point de mettre 50 milliards de hoppers avec un coffre ici, eh bien, je vais tout simplement pas le faire. Bref, petit mouton, viens ici, viens tester la machine, mon ami. Viens ici, viens malade, viens. Petit, allez, viens, grimpe. Tu vas voir, c'est sympa comme tout ici. Allez, viens, dépêche-toi. Voilà, nickel. Allez, voilà, tu peux le faire. Allez, encore un peu. Non, pas comme ça, idiot du village que tu es. Mais il est idiot. Mais qu'il est idiot. Mais il est tombé où encore? Oh, mais ouais, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ce mouton. Viens ici. Je te préviens, hein. Encore une bêtise et tu termines en kebab, mon ami. Bien sûr que oui. Allez, viens. Non, tu tombes pas. Tu tombes pas. Non, allez, tu peux le faire, t'es pas si idiot que ça, viens, voilà, nickel, allez, grimpe là-dedans, voilà, nickel, bah t'as vu que tu peux le faire, t'es pas si idiot que ça, voilà, et maintenant, on va venir initialiser la petite machine avec un redstone, comme ceci, pack, et là, on va venir le tondre un petit coup, histoire de, pack, voilà, nickel, normalement, ça tombe juste ici, on va faire un petit trou, histoire de pouvoir venir récupérer notre laine. Et normalement, je dis bien, normalement, maintenant, eh bien, c'est fonctionnel. Mais ça, eh bien, on le verra dans un court instant. Voilà, fabuleux, tout est prêt, mes amis. Hop, voilà, on n'a plus qu'à remplir ceci de quelques cisailles. Voilà, et normalement, celui-là nous a donné notre première laine. Oui, on a nos premières laines. Fabuleux, c'est fonctionnel. Maintenant, on va pouvoir commencer ce pourquoi, eh bien, la vidéo doit être faite. Aujourd'hui, mes amis, on va tout simplement commencer une farm avec les PNJ qui va nous dropper des milliards et des milliards d'émeraudes. Du coup, maintenant, on va commencer ce pourquoi on a commencé cette vidéo. Eh bien, on va commencer à devenir riche, mesdames et messieurs, parce que regardez ce qu'il propose. 22 carottes pour une émeraude ou 20 de blé
pour une émeraude. Et ça, ça va être intéressant. Je vais nous faire une petite farm automatique à blé des familles qui va me donner, eh bien, des milliards et des milliards d'émeraudes. Et on va pouvoir commencer les trades intéressants avec des villageois libraires. Et ça, ça c'est une très très bonne nouvelle. Bref, avant de commencer, il va falloir que je m'enchante un nouveau stuff. C'est pour ça que vous voyez quelques stuff ici en diamant. Bref, je me suis récupéré un petit peu de la pie en espérant avoir de la chance. Alors, est-ce qu'on a de la chance? Je dirais que pour le moment, pas vraiment. Bref, oh, protection 4, ça c'est pas mal, ça c'est de la chance. Unbreaking 3, c'est parti. Fire protection, bon c'est pas ouf. Et protection 4, Unbreaking 3. Eh bah écoutez mes amis, on a un stuff plutôt sympa, hein. On va pas se le cacher là. Il est pas dégueulasse ce stuff, il est pas dégueulasse du tout. Mis à part le pantalon qu'on va tenter de refaire un petit coup. Hop, qu'est-ce qu'on obtient? Protection 3, allez, protection 3, j'achète mon ami. C'est mieux que rien. Et ici on aura un fire protection 4 pour... Je sais pas ce qu'on va faire avec un protection 4, mes amis. Mais on va bien lui trouver une utilité un jour. Alors, pour commencer ma ferme, eh bien, je vais tout simplement creuser ici. Mais vous vous doutez bien que je vais pas creuser à la pioche, parce que vous savez très bien que j'ai pas mal de canne à sucre juste en haut, et j'ai une tour à XP qui m'a droppé 5 ou 6 stacks de gunpowder. Donc du coup, on va faire de la TNT. Il va falloir que j'aille récupérer du sable en masse. Donc on va aller faire un petit tour dans le désert. Et ça... Eh bien, je sais pas où est-ce qu'on a un désert assez proche, il va falloir chercher. Donc ça nous donnera l'occasion d'avoir une petite pyramide ou deux. Alors, on va se récupérer les élytres, la pelle, est-ce qu'il me reste quelques feux d'artifice? Je dirais que non, c'est une grande tristesse. Bah écoutez, on va recrafter des feux d'artifice. Et les feux d'artifice, eh bien, on les crafte comme ça. Et voilà, mes amis, on a quelques feux d'artifice, on va s'équiper des élytres, et puis on va grimper à la tour à XP. Allez, c'est parti! Wouhouhou, je crame en même temps que je vole. Ouais, c'est pas ce qui était prévu, mon ami. Personne ne crame le zigouigui de Père Johnny. Non, mon ami, bien sûr. Hop, on atterrit ici, on va grimper et on va aller déglinguer le creeper avant qu'il nous... Hein? Ouais, non. Non. Oh, mais non, mais t'es un enfant, Père Creeper, t'es un enfant. Mais non, fallait pas faire ça. T'as tout cassé la vidéo, voilà, ça se fait pas, idiot du village que tu es. Et toi, tu vas mourir aussi, bien sûr. Bref, il faudra aussi que je pense à faire une petite plateforme d'atterrissage ici, parce que c'est un petit peu la galère, on va pas se le cacher, d'atterrir, eh bien, si près du bord. Bref, on va récupérer ceci. Ah ben, ça commence déjà à spawner ici. Tu t'en vas, Creeper. Bref, mes amis, moi, il me semble que je suis prêt, on va pouvoir s'en aller. Allez, c'est parti, mon ami! Eh ben voilà, mes amis, on s'est trouvé un petit désert, ça, ça fait plaisir! Et on s'est même trouvé une petite pyramide! Eh ben écoutez, je sais pas ce que demande le peuple, mais je suppose que le peuple demande des choses comme ça. Allez, on va remove les élytres, on va tomber ici, prions pour un saint coffre. Allez, c'est parti, le petit coffre, mes amis! Hop, on remove la petite dalle ici explosive, on va même récupérer les TNT... Ouais, bon, c'est pas ouf, hein, ce qu'on trouve là pour le moment. On a quelques émeraudes, mais écoutez, les émeraudes, je suis pas venu pour avoir des émeraudes, vu que je vais avoir une farm à émeraudes. Alors, ici, rien, ici, rien non plus, et ici, eh ben, mis à part de la poudre de creeper, pas grand-chose. Mais au moins, on a quelques pyramides qui vont nous servir pour plus tard. Bon, par contre, on va pas se le cacher, je suis à court, eh bien, tout simplement, de feu d'artifice. Non, ça va, on n'est plus à court de feu d'artifice. On va pouvoir remballer et s'en aller. D'ailleurs, mes amis, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à déglinguer la barre de like. Ça me ferait super plaisir. Le dernier épisode est déjà à 2000 likes en moins d'une journée. Impressionnez-moi, mes amis. Ça me ferait plaisir si jamais on pouvait battre ce petit record. Bref, comme d'habitude, je resterai dans l'espace commentaire pendant une heure pour répondre à tous vos commentaires. Donc, faites-vous plaisir. Bref, pour ma part, on va récupérer masse et masse de sable pour pouvoir se faire masse et masse de TNT et commencer notre projet pour devenir riche. Bon bah mes amis, je crois qu'on peut m'appeler la pelleteuse humaine. Oui, je suis en train littéralement, eh bien, de détruire ce désert. Mais c'est pas grave, il est assez loin de la maison, donc on ne verra jamais que je suis en train de piocher dans le désert comme ceci, tel un sangouin, mon ami. Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis en train de pelleter, mon ami. Est-ce que tu oses venir me déranger pendant que Johnny pelte? Ben non, il est idiot, lui. Personne ne dérange Johnny pendant qu'il pelte. Ils sont idiots, bien sûr. Foufou, va. Alors bref, il est temps de voir ce qu'on peut faire avec notre petit sable. On va venir ici. Pac, on peut faire 64 TNT.
On a fait littéralement 73 TNT. Ça fait plaisir. Il me semble qu'on est plutôt pas mal. Alors, on va récupérer encore un tout petit peu de sable, histoire de pouvoir rentrer à la maison et ne plus jamais récupérer de sable dans notre vie, parce qu'on va pas se le cacher. C'est un petit peu chiant de faire la pelleteuse humaine. Oh oui, on a un village juste à côté. Oh, on a un petit gentilhomme juste ici. Oh, ça fait plaisir, un petit gentilhomme. Oh mon Dieu, c'est la guerre dans ce village, mon ami, c'est la guerre. Et malheureusement, pas le moindre truc intéressant dans ce village. Eh bien, on va commencer par rentrer et on va pouvoir commencer un gros projet aujourd'hui, mon ami. Parce que c'est pas du projet de pacotille, on va pas se le cacher. Il va falloir casser pas mal de trucs à la maison. Bref, nous revoilà à la maison, mes amis, on va pouvoir commencer El Gigatoré projet. Je sais pas comment on va appeler ce projet. C'est vous qui allez appeler ce projet en commentaire. Bien sûr que oui, comme d'habitude, celui qui a le plus de likes sur son commentaire, eh bien, aura une dédicace dans la prochaine vidéo. Et ça, c'est pas rien, mon ami. Bref, on va récupérer la TNT. On va se faire surtout une petite torche. En fait, non, on en a une en inventaire. Bref, creusons, mon ami. Bonne nuit, les gars. Ça risque de faire un petit peu de bruit. Vous inquiétez pas. Tonton Johnny, il est là. Mais il va faire un petit peu de bordel ce soir. Alors, je pense qu'on va creuser une petite galerie de 10 ou 15 de long, comme ceci. Voilà. Et maintenant, tous les trois, on va compter 6 blocs ici. Voilà, fabuleux, comme ceci, mon ami. Et ben voilà, on s'est creusé nos petites galeries. Maintenant, la dernière chose qu'il reste à faire, eh bien, c'est tout simplement venir placer nos petites TNT juste ici. Voilà. Et ça va faire un beau bordel, mon ami. Ça va faire un beau bordel, on va pas se le cacher. Par contre, il me semble que je me suis un tout petit peu fail dans le design tout simplement de ma TNT. Mais normalement, ça devrait faire un joli trou bien régulier si jamais on s'est pas trop fail. Mais ça, je vous promets rien. Bref, mes amis, il est l'heure du feu d'artifice. Cours, mon Johnny, cours. Cours pour ta vie, en espérant que les petits villageois soient pas troués. Please, s'il vous plaît. Non, fabuleux, ma ferme à villageois n'est pas morte. Et voilà, ça nous a fait un joli petit trou. Et ce qui est bien avec mon design de TNT, eh bien, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin de miner ou bien de combler les trous. Parce que, eh bien, tout est quasiment déjà lisse et prêt à utiliser. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, il faut tout simplement poser une TNT tous les 3 blocs. J'espère que ça en aidera certains, parce que creuser tout ça à la pioche, ça aurait été très long, mon ami. Et surtout très chiant. Alors, moi, j'ai tout simplement terminé de me poser mes petits blocs. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement venir disposer ceci pour pouvoir commencer ma farm. Et ma farm, eh bien, va ressembler plus ou moins à ça. Alors à partir d'ici, on va compter 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on va venir casser. Et tout simplement, ici, on va venir remove l'entièreté des blocs ici. Parce qu'ici, on aura de la terre. Et oui, Jamy. Et à partir d'ici, on va compter 8 blocs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon Dieu, cette salle était faite pour ce projet. On va pas se le cacher. Bref, je vais remove ça. Je vais aller me chercher tout simplement des petits dispensers, des hoppers et tout le tutti quanti qui va me servir à commencer ma petite farm. Et on se retrouve juste après. Alors, normalement, je dis bien normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer notre petite farm. Alors, pour le coup, juste ici, on va remove ceci et on va mettre, eh bien, les dispensers. Mais par contre, il va falloir de l'eau, des seaux d'eau à l'intérieur. Ça, j'y avais pas pensé, mon Johnny. Catastrophe pour le joueur français. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Alors, ici, on vient remettre des petits dispensers. Et ici, on aura une petite source d'eau qui va venir couler. Mais avant ça, il va falloir mettre, eh bien, de la terre un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on arrive et on vient remplir tous les dispensers, ça fait plaisir, comme ceci. Voilà, j'espère que j'en ai assez. Normalement, je dis bien normalement, oh oui, mais il va me manquer une source d'eau ici, catastrophe mon ami. Et il me manque des hoppers, donc de toute façon, j'aurais quand même dû monter. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge en ce moment. Silence vous, vous m'énervez. Alors ici, je viens tout simplement mettre un petit peu de cobble, histoire de pouvoir mettre mes repeaters. Voilà, comme ceci, parce que sinon, on aurait été bloqué et ça aurait été la galère. Alors, on va placer les repeaters, maintenant, on va les mettre comme ceci, hop. Et j'aurai même, eh bien, des repeaters en rab. Et ça fait plaisir. Maintenant, on va venir se mettre une petite ligne de redstone juste ici. Voilà, nickel, comme ça. Hop. Et maintenant, on va juste voir, eh bien, tout simplement, si ça fonctionne en mettant un petit levier ici. Pac.
ça part, c'est parfait. Et Houston, on a un petit problème. Ça, c'est pas drôle, ça, d'avoir des problèmes, mon Johnny. Non, pas vraiment, hein. Pourquoi l'eau ne se diffuse pas? Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette satanerie encore? Alors, écoutez, on va voir pourquoi l'eau ne se diffuse pas, mais ça me paraît être un problème assez problématique. Déjà, de base, ici, on va mettre des petites dalles, parce que je pense que c'est les petites dalles qu'il manque à ce design de ferme automatique. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc excusez-moi, je suis un petit peu rouillé, mon ami. Voilà, hop, on se pose ça ici, on récupère les petites dalles. Normalement, ça va bien jusqu'ici, donc l'entièreté du champ sera bien irriguée. Hop, on pose ça ici. Et normalement, je dis bien normalement, là, ça devrait plutôt bien fonctionner. Puis si jamais ça fonctionne pas, c'est que la 1.15 est un petit peu buggée. Et il me semble qu'elle l'est. Ah non, c'est bon, ça fonctionne, mon ami. Appelez-moi le cerveau dans les commentaires, bien sûr que oui. Oh, ça c'est bon quand ça fonctionne comme ça. Hop, on rappelle la source d'eau. Pac, normalement, on est bon. Rappelle ta source d'eau, mon ami. En fait, il fallait tout simplement remettre une petite dalle ici pour que l'eau continue à ne pas se diffuser. Pourquoi? Mystère et boule de gomme, mon ami. Va-t-on savoir un jour? Bref, pour ma part, eh bien, juste ici, on va se mettre des petits hoppers, voilà, tout simplement, qui vont être reliés à un coffre, j'allais dire. Mais en fait, je me suis trompé. Eh oui, Jamy. Eh oui. Les hoppers doivent partir du coffre, sinon, eh bien, ça ne se remplira jamais. Et ça, ce serait une énorme calamité. Bref, on est bon, comme ceci, voilà. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à récupérer la petite ou en diamant que je me suis fait. À venir, pac, 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 pac. Voilà, nickel, on va commencer les plantaisons, mon ami. Bien sûr. Ah, je comprends mieux, ok, il faut mettre une deuxième source d'eau ici. Parce que sinon, eh bien, ça n'irrigue pas les champs. Très bien. Eh bien, je le saurai pour la prochaine farm. Bref, continuons notre petit farming. Voilà, normalement, il n'y a plus qu'à poser les carottes. Mais moi, je vais aller chercher dans la tour à XP, eh bien, masse et masse de squelettes, histoire de pouvoir me faire de la bonne meals et pouvoir être riche comme Crésus, mes amis. Bien sûr que oui. Bref, vers l'infini et l'au-delà. Allez, on va tenter un atterrissage en espérant ne pas crever. Oh, bravo mon Johnny, bravo, tu commences à devenir doué en atterrissage. Voilà, nickel, on va se récupérer ça en bones, ça devrait suffire, hein, très sincèrement. On devrait être très très large, voilà, on est très très large, on est plus que large. Voilà, normalement on est plus que large, là, avec ça, normalement, on va devenir richissime. Bref, 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 plantons les carottes. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai toute une ligne qui est inutilisable. Je vais pas tirer une source d'eau ici, parce que bon, pour une ligne, ça sert un petit peu à rien. Et je n'arrive absolument pas à poser mes carottes. Oh oui, c'est parce qu'on est dans le noir. Il faut que j'aille chercher de la glowstone, mon ami. Allons chercher de la glowstone. Bah oui, bien sûr, malade. Allez, c'est parti. Toi, je te respecte pas. Même pas, je t'attaque, mon ami. J'ai pas le temps. Bref, allons chercher la sainte glowstone, mon ami. Petite glowstone, viens ici, malade que tu es. T'inquiète pas, tonton Johnny va pas te faire mal, il va juste éclater en 5. Allez, hop, on va utiliser ça et on va chercher de la glowstone qui est plus ou moins accessible. Alors, est-ce qu'on a de la glowstone accessible quelque part? Ça, c'est une belle ligne, mon ami. Oh, ouais. Alors, ça, je vais te récupérer. Mais comme jamais on t'a récupéré, mon ami. Oh, et j'entends un petit ghast. Et je suis au-dessus du vide. Mais non, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Faut pas avoir peur. Il faut rester sage, monsieur le ghast. Tu vas pas m'énerver, je te préviens. Bref, continuons notre entreprise très, très risquée. Bon, après, on a des élytres. Donc, on risque pas grand-chose. Mais quand même. Mais quand même. Voilà, nickel, qu'on me couvre de glowstone, mon ami. C'est ce qui était prévu au programme. Allez, donne. Bref, nous revoilà à la maison. Toi, tu vas prendre un bain. J'ai dit, tu vas prendre un bain. Dépêche-toi, idiot, va. Et maintenant, la dernière chose qu'il va nous rester à faire, eh bien, c'est tout simplement de poser la glowstone et puis de s'amuser. Hop, on a 16 de glowstone et nous voilà avec 23 de glowstone en espérant que ce soit ça qui pose problème. Parce que sinon, eh bien, on va pleurer. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai posé ma glowstone. On espère pouvoir poser les petites carottes. Oh oui, c'était ça. Hop, on pose les carottes et on va se faire plaisir maintenant. Voilà, nickel. On a mangé même quelques petites carottes. Ça va peut-être me rendre aimable. C'est ma famille qui serait vraiment heureux si jamais je commençais à devenir aimable. Bref, continuons à poser les petites carottes.
Voilà, nickel, on va se faire un petit champ de carottes, mes amis. Vous allez nous en donner des nouvelles. Et un jour, il va falloir quand même penser à full automatiser tout simplement cet endroit en mettant des PNJ. Mais pour le moment, eh bien, on n'en est pas encore à automatiser cet endroit avec des PNJ. Pour le moment, reproduction, mes amis. Mes amis, regardez ça. Est-ce que c'est pas full satisfaisant de voir ça? Moi, j'ai envie de vous dire si. Allez, première récolte de patates, mes amis. Voilà, nickel, c'est parti! Oh ouais, oh ouais, allez tous dans les hoppers, les gars, ça fait plaisir! Allez, pour accélérer la chose, je vais me récupérer moi-même les carottes qui sont coincées dans les petits hoppers ici. Normalement, on n'en a plus. Oh la vache, 4 stacks! What the fuck? On a 4 stacks de carottes en une récolte. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des PNJ, eh bien, ça devrait nous faire une sacrée récolte aussi. Ça devrait nous faire 5 émeraudes par récolte. Et une récolte va très très vite, on va pas se le cacher. Voilà, encore un peu. Voilà, nickel. Et il va pouvoir me proposer de nouveaux farms également. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et le reste, on va garder pour refarmer mes petites carottes. Bref, mes amis, on s'est fait 12 émeraudes en une récolte. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et lui, il a évolué. Oh ouais, ça c'est un bon apprenti, ça. Ça, c'est un bon apprenti. Six citrouilles, on va faire une farm à... On va faire une farm à citrouille automatique, un de ces quatre. Ça, ça va être sympa parce que ça nécessite même pas ce que j'ai en bas. Oh ouais, ça c'est bon. Bref, mes amis, pour ma part, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. C'est le cas, déglinguez la barre de like. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.